Bienvenue à tous et c'est une édition spéciale de l'entretien sur France 24. On est dans un hôtel, mais c'est un hôtel très très spécial. C'est le quartier général de l'équipe nationale de l'Italie de rugby. Et avec moi, un homme qui est un héros sportif pour beaucoup de Français et qui est très connu mondialement, c'est Pierre Bévisier. Pierre, merci d'être avec nous sur France 24. Merci à vous. Quelle est la différence entre d'être joueur et d'être entraîneur d'un niveau national comme ça? Je crois que la grande différence, c'est quand on va vers la partie, vers le coup d'envoi, le joueur a l'odeur du pré, l'entraîneur va dans les tribunes et le pouvoir ne lui appartient plus. Je crois que les véritables sensations, ce sont les joueurs qui les ont sur le terrain, ils ont le vrai pouvoir sur le terrain. L'entraîneur, une fois que le coup d'envoi est parti, ben, il n'a plus, je dirais, il n'a plus grand-chose, donc si ce n'est qu'à regarder, à espérer que ces joueurs seront dans le match. Est-ce que c'est difficile en tant que Français d'être l'homme qui doit mène les Italiens, peut-être contre les Français dans la Coupe du Monde? Je pense que c'est clair, si je suis dans ma tête italienne, je reste de cœur français. Donc, à partir de là, les choses étant claires, je donne tout pour cette équipe d'Italie, pour être à la hauteur de l'objectif que l'on s'est fixé et être sur cette Coupe du Monde, donc un acteur de cette Coupe du Monde. Vous avez beaucoup d'expérience dans la Coupe du Monde, comme joueur avec la France au début et maintenant avec les Italiens comme entraîneur. C'est aussi passionnant des deux côtés? Oui, j'ai eu la chance aussi d'avoir une expérience d'entraîneur avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde de 1995. Donc, effectivement, ça permet d'avoir cette expérience du haut niveau. Mais en même temps, je crois que rien n'est acquis et tout est remis en question. C'est le propre aussi du haut niveau, de cette compétition du haut niveau. C'est ce qui permet d'entretenir la motivation, en tous les cas la mienne, pour justement continuer à avancer. Vous savez, vous, beaucoup de fois comme joueur, et un des meilleurs joueurs, à mon avis, du monde. Franchement. Vous voyez, c'est la différence entre un joueur et un entraîneur. Vous voyez le joueur sur le terrain, l'entraîneur, vous ne le voyez plus dans les tribunes. Donc, non, plaisanterie mise à part. Écoutez, oui, j'ai eu le privilège avec l'équipe de France donc, de jouer au plus haut niveau, d'avoir joué des parties de haut niveau, Coupe du Monde, en finale de la Coupe du Monde de 87 notamment, et puis bien sûr dans le tournoi des cinq nations à l'époque, puisque l'Italie n'était pas encore dans le tournoi. Et puis ensuite, comme entraîneur, avec des émotions différentes, mais avec la possibilité de prolonger sa passion au plus haut niveau, donc de joueur à entraîneur. En fait, le trait d'union, c'est cette passion et ce privilège de pouvoir prolonger sa passion encore au haut niveau. Le jeu a changé tellement et peut-être le plus grand changement, c'est le professionnalisme. Oui, le jeu évolue dans sa forme, mais je crois que sur le fond, il reste le même. Les bases de ce jeu restent les mêmes. Simplement, sur la forme, effectivement, on voit une évolution. C'est peut-être tout simplement l'évolution de la vie également, où on voit aujourd'hui, notamment au niveau des gabarits, des joueurs qui vont plus vite, qui sont plus forts, qui sont plus grands, et qui vont plus vite. Donc ça amène une évolution dans le jeu forcément. Mais sinon, je pense que les bases, je me répète, de ce jeu restent les mêmes. Et effectivement, avec l'arrivée du professionnalisme, c'est une autre approche que l'on a aujourd'hui entre ce système amateur que l'on a vécu jusqu'en 1995. Et puis maintenant, on est vraiment rentré dans l'ère du professionnalisme. Et je pense que cette Coupe du Monde, après celle de Sydney, marquera vraiment le professionnalisme dans le rugby international. On parle de professionnalisme, des changements comme ça. Bernard Laporte, l'entraîneur de l'équipe de France,
Il a posé une certaine question à propos de dopage, parce qu'il y a eu des scandales, notamment dans le Tour de France récemment, à propos des cyclistes qui s'étaient dopés comme ça. Il a dit que peut-être il y a d'autres pays dans le monde de rugby, peut-être, qui ont des joueurs qui prennent des drogues qui sont contre les règles du sport. Qu'est-ce que vous pensez de ces discours, et est-ce que c'est possible qu'il y aura peut-être des rugbymen qui se dopent? Écoutez, déjà une différence entre Bernard Laporte et moi. Bernard Laporte est un très grand communicant. Je ne suis qu'un simple entraîneur. Donc Bernard Laporte a besoin et envie d'occuper le devant de la scène en permanence. Donc il est amené à dire beaucoup, beaucoup de choses. Et bon, pour ma part, donc j'écoute Bernard Laporte. Et personnellement, je ne suis pas cette stratégie qui est une stratégie de provocation et d'insultes le plus souvent. Donc on a vu effectivement avec cette affaire contre les Néo-Zélandais et contre les Anglais, l'affaire de l'arbitre Dickinson lors de la tournée en Nouvelle-Zélande. Donc l'affaire du public français. Donc si vous voulez, c'est dans sa stratégie, dans sa démarche. Donc je ne rentrerai pas là-dedans, et je le regrette parce que personnellement, que ce soit pour les Anglais ou les Néo-Zélandais qui sont pris à partie dans cette affaire, je crois que j'ai le plus grand respect. Je crois que de leur côté, il y a aussi ce respect, et j'ai peur qu'ils aient une image négative de la France et du rugby français au travers de ces provocations et de ces insultes. Et au-delà de ça, bien évidemment, se pose le problème aujourd'hui du dopage dans le sport professionnel. Ce n'est pas propre au rugby. Aujourd'hui, on doit se poser les questions, effectivement, par rapport aux cadences infernales qui sont imposées aux joueurs, à l'arrivée de l'argent de plus en plus dans le rugby, se poser effectivement les vraies questions, puisque effectivement le dopage naît souvent de ces éléments-là. Donc c'est de la pression, peut-être. Comment ? C'est la pression sur les athlètes de n'importe quel sport c'est cette pression qui dit ce sont les caractéristiques en tous les cas, ce sont les caractéristiques en tous les cas que l'on retrouve dans les sports de haut niveau qui sont touchés par ce fléau. Je ne pense pas que dans le rugby nous soyons touchés par cela, même si on peut toujours douter, et on ne peut pas éviter que des cas isolés soient touchés par ce fléau. Au point de vue de la préparation physique de l'équipe nationale de l'Italie, vous êtes très content de comment ça marche avec la préparation? On est dans les Alpes italiens aujourd'hui et c'est magnifique. Oui, écoutez, je crois qu'il faut relativiser aussi. Nous faisons avec nos moyens, qui ne sont pas les mêmes que peut-être les grandes équipes, mais notre ambition est quand même de rivaliser avec ces grandes équipes, avec nos moyens, et donc avec nos moyens, nous essayons d'optimiser notre préparation pour être au rendez-vous de cette Coupe du Monde. Et je dois dire qu'ici, à Aoste, nous avons trouvé les conditions idéales par rapport à nos moyens pour nous préparer, donc... Je crois qu'au niveau effectivement de l'ambiance de cette préparation, l'ambiance est tournée vers le travail. Je crois que les joueurs ont compris que c'était nécessaire, mais ils savent le faire aussi avec le sourire. Et je crois que cette complémentarité entre travail, rigueur et discipline, et cet enthousiasme, et cette envie et ce plaisir qu'ils ont, ben peut-être que ça nous permettra de continuer à avancer. On a vu une grande amélioration du jeu italien dans ces dernières années. Et moi, je vais dire que c'est à cause de vous et votre influence. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous savez, je crois au cocktail travail, talent des joueurs et réussite. C'est toujours ce cocktail qui vous fait avancer. Je pense que le talent des joueurs est à mettre en premier. Donc, ils ont su prendre conscience de leurs possibilités, et ils ont eu la volonté de rivaliser avec leurs adversaires qui ont plus d'expérience. Il a fallu pour cela mettre un travail en place, adapté à nos moyens, et puis avec un brin de réussite, parce que la réussite est indispensable à toute avancée. Donc ça nous a permis aujourd'hui de nous positionner
au niveau international, d'être un peu plus crédible, en tous les cas, d'avoir le respect des adversaires que l'on rencontre, c'est déjà pour nous une victoire et c'est ce qui nous permet de croire en l'avenir et de continuer dans ce travail-là. Au point de vue de vos ambitions dans le jeu, dans le sport, dans le rugby, gagner la Coupe du Monde, bien sûr, mais autrement? Non, je crois que le résultat est une conséquence. Ce que j'essaie d'expliquer à mes joueurs, ce n'est pas en termes de victoire ou de défaite. Pour moi, le résultat, c'est la capacité à donner 100% de nos moyens au moment où on doit le donner, que ce soit sur le terrain d'entraînement ou que ce soit sur le terrain du match. À partir du moment où un joueur, une équipe, pour moi, a tout donné sur le terrain, ben, je crois qu'elle a rien à se reprocher. Je ne lui reprocherai en tous les cas rien. L'adversaire a le droit d'être bon. Donc, et à partir de là, ça relativise la victoire ou la défaite. Je me répète, si mon équipe, en sortant du terrain, a tout donné, après, elle a fait un bon match ou un mauvais match, il y a un adversaire en face. Donc ça, c'est pas nous qui décidons. Et donc, c'est déjà ça, pour moi, le résultat. Si la conséquence peut nous amener plus de victoires, je suis preneur, mais je m'attache surtout à optimiser, à donner tout ce qu'on a donné au moment où il faut le donner. Mais de toute façon, gagner, c'est la chose la plus importante, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Je crois que la victoire et le but recherché, simplement, ce sont les moyens que l'on met en place qui permettent d'atteindre ou non le résultat. Encore faut-il se positionner par rapport à ce qu'on entend comme résultat. Dernière question, Bernard Laporte. Il va quitter l'équipe de l'entraîneur national de la France. Vous avez d'autres projets, je sais, mais si vous avez la chance, est-ce que c'est quelque chose que vous allez prendre avec les deux mains? Bien sûr, je suis toujours disponible pour l'équipe de France. Je crois que j'ai eu le privilège de jouer pour l'équipe de France et d'entraîner cette équipe de France. J'ai eu l'occasion de représenter plus de 100 fois mon pays en tant que joueur-entraîneur. Donc quelque part, pour moi, l'équipe de France reste un domaine à part, un domaine particulier. Donc, quelque part, on ne dit jamais non à l'équipe de France. Maintenant, je suis aussi conscient des réalités. Je n'appartiens à aucun des systèmes qui commandent le rugby français. Donc, je suis un électron libre et parfois, les électrons libres, ça fait un petit peu peur. Donc, je ne pense pas qu'on me demandera ça. Merci d'être avec nous sur France 24, comme électron libre ou bien comme Denis Mellet ou comme vous-même, Pierre Bézier. Merci d'être avec nous et je vous remercie aussi. Restez sur France 24.